Ouais, Barbie A, Vesika, information, il y a tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, je ne quitte qu'on a taille, pas bébé Nzambéa. Il mange quitte qu'on a formé à Congo. Basa Golanda, je bango, basa Lirie. Yo, la lele, bolokena leli, Nzambéa batela yoé. Pierre Moulumba, na ebio, koko mako, koko, wereus. Bandeko, bienvenue dans le magazine Abino, Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. C'est encore des nouvelles tristes en provenance de notre pays. Bandeko, on a vu Koufa, Tolali Tolamou qui va bomi, Tolali Tolamou qui va bomi. Mais je pense que année 2024, Batouba Koukako Koumango, Pézana Boukouna Bango, Yabagenda Nabango, parce qu'ils allaient année à Souka, Oyo Tou, Sili, Kosili, Koukou. Tozali kole la bande qu'on a vu sur modèle Oyo. Déjà à l'époque, Mzé Laurent Désiré Kabila avait déjà compris cela. Il avait dit que nous étions seuls. Bolandana Mzé Laurent Désiré Kabila et Bongo Toya qu'on commentait Makambo Oyo à Lobaki. Par l'intermédiaire de ce petit pays-là, le 2, l'Ouganda et le quoi, qu'on voulait punir les grands Congos. Et la main des États-Unis derrière et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais volé le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis. C'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit, non, 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 la démocratie, vous, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont tirés d'autres sujets. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais, nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'il change. Nous, nous n'avons rien à changer. Mais changer pour nous. Toutes les fois que, comme nation, nous comptons sur une force étrangère, un pays voisin, nous sommes toujours déçus. Je pense que Mboka na biso ezali ko régorger toute la crème intellectuelle du monde. Dans ce sens que dans tous les domaines, awa na sa mabili awa, au co trouver spécialiste azalipe na katiamboka na biso moko na biso. Donc raison pour laquelle nga nazali ko senga président de la République a ko kotala. C'est vrai que les amis, je suis bien comme vous pouvez le remarquer à Mining Indaba. Alors vous voyez, moi, il y a l'Allemagne, beaucoup de pays sont ici représentés. Un coup de cœur, un coup d'amour pour mon pays, la République démocratique du Congo, qui est bien présente ici à Mining Indaba. Et la seule question que je me posais pendant toute la journée, j'étais en train de chercher, j'ai fouiné partout, j'ai cherché un pays. Entre guillemets, l'on dit que c'est le premier exportateur du coltan dans le monde. Chaque fois que je suis dans une conférence minière, j'essaye de chercher où est passé le Rwanda. Le Rwanda exporte le coltan. Le Rwanda vend du coltan. Il est peut-être, on dit, le premier exportateur du coltan. Mais dans une conférence comme celle-ci, tous les pays miniers sont ici pour montrer ce qu'ils ont,
pour présenter leur potentialité. Le Rwanda n'est pas là. C'est ici un message que je voulais lancer à une personne. On est en train de tuer à l'Est à cause de nos ressources, à cause de notre coltan, à cause de notre or, à cause de notre lithium. On tue à l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes bien ici. La République démocratique du Congo est là. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Angola qui est présente ici. Il y a plusieurs pays. Il y a même la Tanzanie qui est présente. Mais le Rwanda n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'ils volent. Le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda qui vole notre coltan et notre quoi et notre lithium. Le plus grand problème, c'est la personne qui achète. Qui achète le coltan du Rwanda? C'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Américains qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Français qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Anglais qui achètent, c'est eux qui mettent l'argent d'une arme dans les mains du Rwanda pour tuer mes frères et mes soeurs. S'il vous plaît, un coup de cœur pour tous les Congolais qui meurent en ce moment à l'Est. Il y a un massacre à l'Est de la République démocratique du Congo. La République est en guerre en ce moment. On nous tue injustement à cause de nos ressources. Nous sommes là, nous en sommes fiers. C'est ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas se le cacher. Nous sommes ce pays béni. Ce pays que Dieu a voulu que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on tue chez nous, mais vous ne dites rien. C'est vous les vrais coupables. On tue chez nous, vous ne pipez mot, c'est vous les vrais coupables. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, c'est vous les vrais coupables. C'est vous qui tuez en République démocratique du Congo. Merci. On a vu ce Ekouta et pas les politiciens Oyoté. Le bic on a vu ce Ekouta n'a pas tout Oyo ba technocrate, Oyo bazali ko kanisamalamu ko trouver ba solution de manière durable et pérenne pour notre pays. Cette guerre a tant duré. Tozali kole la modèle nyonso. So ki yakoyo kana ese yokanaki. Nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir en tant que peuple pour bayoka biso, basalisa biso. Mais nous avons vu que la machination vient de très loin. Les États-Unis bazana kata bitumba oyo. Parce que on ne peut pas démontrer que États-Unis est allé au courant na manigance oyo Kagame azali ko sala kuna na est. MONUSCO bazali complice de ce qui se passe à l'est de notre pays. Le président de la République avait vu juste de demander à ces gens Bazonga et Panabango. Tozali komona na Indaba. Na laksa ki bino de oyo ya biso oyo alekaki na émission kuna na Afrique du Sud bisika nyonso ba mboka africain bazali koteka ba minerai na yango totikali komona stand ata mokote ya Rwanda ke bazali koteka coltan mais boka mataba usine minene ça c'est la Grande-Bretagne qui a pris des grandes usines ya minene ba yoko tonga ngo na Rwanda comment ces usines vont fonctionner alors que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol des ressources pour lesquelles les usines ont été construites. C'est pourquoi, à mon avis, il n'y a qu'une seule solution. Ces politiciens n'ont pas véritablement envie de trouver des solutions autour du président de la République. Ils ont été élus comme députés, mais ils continuent à s'accrocher au pouvoir attendant la validation des mandats. Mais Bandeko, le bon sens, ce qu'on dit en anglais, le gros bon sens, je veux dire, voudrait bien que ces gens ici démissionnent et se préoccupent de leur fonction de député en attendant la formation du nouveau gouvernement. Non, ils continuent à s'atteler aux tâches ministérielles pendant ce temps. Mité Manabangou, ils allaient courant na parlement. Bazolo Baku, non, si. Après validation des mandats, 8 jours après, Ndeba Koki ko déposé. Mais Bandeko, pourquoi? Pourquoi je m'insurge contre tout ceci? Bandeko, botala le lombo le beti na Kinshasa. Botala le Après la pluie, vient le bon temps, dit-on. Mais ici, si la route s'y forco dans la commune de Massina, c'est autre chose. Regardez en image, après la pluie de ce vendredi 9 février 2024. Petit ma casse à
Selon d'autres sources recueillies sur place, d'autres parcelles ont construit sur les caniveaux. C'est la cause des inondations. Yo! Degré à désordre, n'est-ce pas bétail. Bouta la nan. Donc, Bandeko, vous voyez que na bambongo oyo, na je m'insurge parce que bat oyo va ko banda kozwa ba émolument, ba kozwa salaire na bango ya ba ministre. En même temps, trésor public na biso et kobimisa doublement l'argent pour la fin du mois de décembre, pour la fin du mois de janvier et pour la fin du mois de février pour na batu oyo bazali kosa la misala ya l'état dans le gouvernement. Et cet argent pouvait construire ne fût-ce que des caniveaux, n'est-ce pas, Bissa Kibino Lobby. C'est pourquoi vraiment je m'insurge contre cette attitude de nos hommes politiques, pour lesquels je demande au président de la République, je le supplie pour que une autre gérance puisse voir le jour dans notre pays. Que les états généraux soient convoqués. Premier état général. État général, il y a Makambouya Est. C'est vrai que État général, il y a encore beaucoup de gens corrompus qui veulent que, non, que le problème ne soit pas vu dans le sens que, lever couvre-feu, lever. Non. Que le problème de l'Est soit examiné dans le sens d'installation des camps militaires, dans le sens d'installation des universités, dans le sens des entreprises stratégiques qui peuvent permettre de mettre fin à cette guerre. Et surtout dans le sens de la réorganisation de la cité de Goma et autres. Donc, cette question de l'urbanisme dans la ville de Goma et d'alentour peut être confiée à des spécialistes qui vont nous permettre de solutionner de manière durable la question de l'Est de notre pays. Cette question ne doit pas être vue de manière sectorielle. Cette question ne doit pas être vue seulement du point de vue militaire. La question de l'Est de notre pays doit être révisée. Pourquoi pas ne pas même créer 5 provinces à l'Est wana pour na ko bakisa gestion ya malamu lisusu. Parce que nos territoires sont très vastes et leur administration pose problème. Alors, ba doté Nord Kivu, ba Kabolango même encore en 3 pour que tous allons avoir 3 gouverneurs qui vont avoir une gestion, un œil sur la gestion de ces entités qui vont leur être confiées. Donc, moi, je ne dis pas que c'est ceci qui doit être fait, mais quelque chose doit réunir le président de la République pour que les solutions durables soient trouvées à cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la même chose pour toutes nos autres provinces dans lesquelles il y a un peu les foyers de tension, etc. Donc, un examen profond de notre situation est impératif à l'heure actuelle où et la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne ne jouent pas franc jeu à notre faveur. Et vous avez vu même que Banglais, Bazoloba, tu négocies dans la M23. Les Français vont tenir le même langage. Blinken vient dans la sous-région
Alors que nous avons des sérieux problèmes, Blinken ne vient pas voir le président de la République, il va en Angola, il retourne. Parce que Bayebi, véritablement, de quel côté ils sont Bandeko. Raison pour laquelle Nazali Kosengaban, Moutunyon so Esika Azali, s'il faut qu'on boycotte Biloko Yabango, et Sengeli qu'on boycotte Biloko Nabango. Nazali, comment on a dit, Nazali Kosakana Makambo Yakana Loi. Et ça, les Kamboya décision en tant que peuple, on s'assume. On s'assume. Ce qui est le canal plus T. Est-ce qu'on Kokoufa? Okoufa, tous les gens qui ont été en bongo, et bongo wana bazali ko travaillé contre Bisso. Bah, image yapamba oyo, ils étaient incapables de montrer ça au monde entier. Comment le peuple congolais a été tué, comment il y a eu un génocide en Mboka ya Congo. Donc, Bandeko, si vous avez la vidéo na Bisso, vous abonnez à la magazine na Bisso, vous avez la vidéo de Soussou, ceux qui ont eu l'information de Soussou Yassika. Mais la situation na Est est cocile. Boko Mango, Bitumbawana et Kosila. Lobby Togo gagné à la troisième place pour la CAN. Nous allons croiser nos doigts pour que la victoire soit vraiment certaine. La victoire va nous revenir. Toko Yambaba Léopard lundi, Makasi au moins, la troisième place Nabango. De toutes les façons, et à la troisième place, et à la quatrième place, il faut Toko Yambaba Bango, na Sengonyonso, na retour Nabango na Kinshasa. Na sepele mingi Bandeko. Comment on a un ministre dans le conseil des ministres? Bah, ça les signe. Bah, ça les signe. On nous tue, le monde entier est silencieux. On nous tue, le monde entier est silencieux. Et bah, ça les croyait qu'on peut s'abuser par une leçon de morale. Sauf que tu vas dire que ça, la macamoko boy, bah, que bimawa, la macamoko, droit de l'homme, etc. Je pense qu'en tant que peuple, nous devons nous assumer. En Afrique de l'Ouest, les gens s'assument. Au Congo, nous devons aussi nous assumer pour que Makamboyo et Sila, Bandeko Nabiso, Batikapeko, Kolela Mikolonyonso. Merci Bandeko, Tokutani, Malasima. Bye bye.